Ready, aim, fire. Eh bien salut tout le monde, c'est Canadobiz et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la campagne avec les Arvernes sur Total War Rome 2 bien évidemment. Donc la dernière fois on s'était arrêté à Bicracte. À Bibracte, on avait capturé la ville de l'ancienne faction qui était les Aïdui. Donc on avait on les avait vaincus. Trévire, c'est quoi? Ok. Donc nos trois armées sont là, toujours. Hein. C'est l'armée qui a pris le siège. D'ailleurs, il en reste plus beaucoup, beaucoup. Honorez les dieux et vos ancêtres. Ah bah oui. Alors. Oui, donc mon général. Donc là, c'est pas les stats de l'armée, hein, c'est les stats du général. Les traits, par exemple, -10% des pertes à l'issue de leur siège établi. Donc on va tout de suite augmenter sa capacité. On va mettre de la ruse pour les Gaulois. Hop. Oui, donc je suis très content de faire ce deuxième épisode avec vous parce que j'ai vu que dans les commentaires l'épisode 1 avait plu. Donc c'est vraiment ça qui me motive, hein. Laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. Et liker surtout. Et partager si vous en avez envie. Voilà. Je suis le poignard dans l'obscurité. C'est très bien. Donc on va voir notre carte pour notre prochain objectif. Donc en fait je voulais vraiment pas. Attendez deux secondes. Richesse de la région. Je vais juste voir qui est riche ou qui est pauvre. Moi je suis riche. Ok. Donc oui, donc c'était vraiment pas mon objectif principal d'aller attaquer les Aïdui. Moi, je vais plutôt aller vers le sud pour avoir accès à la Méditerranée, hein, voir Cannes, Monaco, tout ça. Et peut-être pour s'attaquer à Rome, avant qu'il m'attaque moi. Parce que Rome, en fait, il s'occupe surtout de Carthage, hein, en ce moment. Il m'attaque pas, hein. Pas pour le moment. Bon, c'est direct la guerre des Gaulois, mais c'est pas tout de suite la guerre des Gaulois. Hein. C'est pas tout de suite, c'est un peu après, quand ils se sont un peu étendus dans l'Europe. Donc on va aller surtout faire la guerre aux Tolosa parce qu'eux ils ont l'huile d'olive. Et ça rapporte gros. Je vais juste voir maintenant si les Tolosa ils ont un port. Alors est-ce que les Tolosa ont un port? Donc mon espion va aller en reconnaissance. Soif de bataille. Soif de bataille. Ma bouffe c'est correct. Êtes-vous prêt à remplir votre mission pour la tribu? Ça marche. Hop, hop. Ça, c'est deux tours. Fait chier. Ma troisième armée. Yep. Et ça, j'ai plus de sous. Ok. Il est à moi, lui? Ah non, c'est un Aïdui. Ah oui. Peut-être d'abord tuer ce dernier Aïdui avant d'attaquer les. Les autres, alors vas-y, on. Alors. Ok. Je recherche aucune technologie. Qu'est-ce que c'est? Bon, allez, on va faire ça, ça coûte que 2 tours. Hop, c'est pas très grave de toute façon. Ok. Ah, ce jeu est super, super. C'est cool. Ouais, donc je vais essayer surtout de m'étendre vers le sud et préparer mes défenses contre Rome. Ah, les Aïdui. Bah justement, ils viennent à moi. J'aurai même pas besoin d'aller les chercher plus dans le nord. Ils auraient dû refaire des troupes, hein, des mercenaires, puis attaquer une autre faction, parce que moi, là, c'est vraiment la plus mauvaise idée à faire. En fait, si vous arrivez, si des fois, parce que ça arrive, hein, vous pouvez vous faire prendre votre capitale, si vous n'avez pas géré sur ce coup-là et vous avez perdu une grosse bataille avec toutes vos armées, et que vous avez fui vraiment des pertes, mais vraiment conséquentes, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de partir, recruter des mercenaires, parce que ça, c'est cool, on n'est pas obligé de recruter des gens dans les villages, là où on a capturé dans les villages,
capturer, enrôler dans les villages, et on peut embaucher des mercenaires pour se refaire, en fait. L'ennemi tentera de s'infiltrer au niveau de nos défenses, ou même de les anéantir. Même de... Ouais, c'est bon, je sais. Par contre, j'ai pas beaucoup d'hommes. Donc toujours, la qualité des graphismes est en moyen, hein, en extrême, c'est pas mal. Bon, déjà, les graphismes, ils sont vraiment pas mal. Hein. C'est juste un peu les textures du sol qui sont un peu moisies, mais généralement, on est comme ça, hein, c'est tout. On va commencer, parce que je ne sais pas où ils sont, du tout. Ok, alors on va vite, c'est bon. Vite, vite, vite. Les mecs, grouillez-vous. Nos renforts sont arrivés. Ah, cool. Mais je pense pas qu'ils me serviront à grand chose, en fait, les renforts. Surtout qu'ils n'ont pas de... Ils ont même pas d'échelle. Là. En fait, ma grosse armée, c'est surtout ça. C'est pas énormément, mais c'est déjà pas mal. Mes cavaliers, ça peut toujours servir. Hein. Oui. Oh. Toujours ces hommes libres en relais. Donc sans échelle, ça va être vraiment très très compliqué. Je sais pas comment ils vont faire, surtout qu'ils se prennent des flèches de mes tours. Par mes tours. Alors, quelle est leur technique? J'aimerais bien voir. Ah, c'est d'attendre ici? Ah non, c'est aussi quand même un peu de... Ah merde! Je savais pas qui... D'accord. Je pensais que... Non, 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 reste là, toi. Mais qu'est-ce que... Oh, je fabrique n'importe quoi. Notre général se fait attaquer. Unité en roulée. En avant! Unité des jeunes! D'accord. Prêt pour la bataille. Bon, soit. Ma porte crame. Oh, salaud. Aucun de mes soldats sont morts. De toute manière. Hop. Vous allez là-haut. Sont complètement détruits. Bon bah c'est ça, alors qu'ils viennent, ils vont se prendre la plus mémorable charge de ma cavalerie qu'ils ont jamais eu. Ils n'ont jamais eu, je veux dire. Celt. Allez, Celt. Allez, alors, approchez, approchez. On vous attend, messieurs. Partons ta quick. La bataille tourne en notre faveur. Ok, mon général, là, faut qu'il recule de toute vitesse. Bantan, courez. Vite, faut pas qu'il capture les tours, faut qu'il se fasse tuer. Hop, ils en ont déjà perdu pas mal sur le front dans la bataille. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi je parle avec cet accent débile. Si vous le dites. Mais barre-toi. Barre-toi. Allez, cri de guerre en plus, hop. Cri de guerre. D'accord. Bah voilà, j'aurais même pas eu besoin de mes renforts. D'accord, les alliés du 8 sont vraiment très intelligents en fait. Comment ils courent quoi. Bon d'accord, terminé la bataille. Non, je sauvegarde même pas cette vidéo. J'ai perdu 3 hommes, c'est vraiment grave. Comment ils ont fait? Sans échelle. Bon, d'accord. Peut-être qu'ils étaient en train de les préparer, mais je les ai attaqués avant aussi. C'est aussi une possibilité.
Donc en fait j'essaie de à peu près un épisode, hein. Vous avez vu, ça dure à peu près 40 minutes. Réduire les captifs en esclavage. Encore vivant ? Bon bah je suis obligé de faire ça, hein. Je vais être obligé de laisser une armée ici. Je vais laisser la plus petite, hein, celle qui était derrière les murs. Ouais, donc c'est ce que je disais. Les épisodes, ben, c'est à peu près 40 minutes. Bon, c'est pas mal. Et j'essaie de faire à chaque fois une prise d'une région. On sait pas à chaque fois, hein, je peux pas vous dire, je pourrais pas vous dire la suite. C'est cool. Ah, il me demande de battre IDUI. C'est tant mieux. Donc regardez ce que je vais faire. Alors, pour le reste, je vais décider d'aller dans le sud. Pourquoi j'attaquerai Tolosa en fait? C'est tout simplement parce que... Parce qu'ils ont un port. Ou Massilia, je sais pas. Est-ce qu'ils ont un port, Tolosa? Non, ils ont pas de port. Par contre, ils ont de l'huile d'olive. Mais je sais pas. Je vais quand même essayer de pas prendre toute la France à mon... sous mon aile, parce que ça risque d'être un peu... J'ai demandé une bonne bière pour vous adoucir la gorge. Et ha! Des femmes mûres pour le reste. Ah, il pense qu'à ça, lui. Expansionniste. Oh, il veut pas. Non, laisse tomber. Je tente même pas. Laisse tomber aussi. Oh, ça sert à rien. Je l'aurais bien pris sous mes ailes, les pitons là. À moins avoir pour le centre de la France. Donc en fait, je vais plutôt attaquer Massilia parce qu'ils ont un port. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, donc les pictoulol. La tribu. Hop, je vais le rendre mobile. Non. Non, tu fais rien du tout. Attendez. Ah oh, mais oui, mais ils ont tous autant d'unités quoi. La lumière de Belenos. La colle est notre mère à tous. Bon allez, toi, va le réduire en bouillie. Voilà, donc ça commence au niveau bataille. Ouais, je vais faire l'autorésolution quand même. Allez, mode agression. Ah, je voulais voir ce combo. Oh, ne me dites pas qu'il en reste encore. Oh, j'en ai perdu que 20. Moi, le tuer est captif, merde. Yeah. Allez, bug de texture. Faction détruite. Aïe-lui. Parfait. Perfect. Honorez les dieux et vos ancêtres. Carrément. Allez, toi, tu vas redescendre après aussi. N'y a-t-il rien d'autre? Je peux recruter une championne, mais ça coûte la peau des fesses. Je vis pour servir le peuple de Gaulle. Je sais pas si... d'envoyer toutes mes armées dans le sud... c'est un peu dangereux, quand même, hein. Prêt pour des nouveaux ordres. Un peu dangereux, surtout que je sais pas comment on fait pour avoir plus de généraux. Export de la nourriture, vos provinces, Aquitania, Celtica. Ça va, ils sont plutôt tous gentils avec moi, sauf Massilia, encore est neutre, et Volk. Pourquoi Massilia n'est pas très content avec moi? Bah, neutre. Si l'offre ou la requête initiale d'une faction ne vous convient pas, vous pouvez utiliser l'option de contre-proposition. Bon, c'est pas grave. Ils ont quand même une grande ville, hein. Ouais. Comment puis-je vous aider ? Ne m'aide pas. Faudra quand même que je la fortifie cette ville, hein, parce que là...
On s'en fout des Pictons. Bon bah j'ai plus rien à faire pour ce tour. Bon, allez, je vais m'enrichir aussi. Aliatos. Aliatos. Oui. Hop, déjà toi. Je vais te mettre en autoritaire. Toi, je vais te mettre en loyaux défenseur, redoutabretteur. Oh, allez, en, comme ça. Et c'est bon, je crois. En plus de ça, au prochain tour, j'aurai ma technologie qui sera terminée. J'ai vraiment peur de me battre contre Sparte, hein. Franchement, même contre les Romains, parce que on sait tous que les Celtiques sont énormément moins forts au combat que les Romains ou les Spartiates. Bah, de toute façon, toutes les unités du Sud, hein, que ce soit Athènes, ou, parce qu'ils sont mille fois plus organisés, leurs boucliers résistent beaucoup plus aux flèches. En même temps, jouer à Drum, le défi est facile. Hein. Si vous regardez dans la campagne, c'est écrit facile en dessous de Drum. Hein. C'est un peu... C'est comme ça, quoi. Massilia, ils ont une grosse armée, là. Hein. Rapport militaire. Inondation, j'ai pas vu. La pluie... Oh, pourquoi il y a ça ? Construction terminée, réservoir. Oh merde. Coup de réparation. 1100. Bon, ils se foutent de ma boule. Hein. Bah allez, hop, on répare quand même. Faut pas les laisser crever, ces pauvres gens. Et oui, on n'est plus dessous. Hop. De toute façon, tant qu'ils me déclarent pas la guerre, les autres, je pense... Intrusion. Ah oui. Faudrait que je fasse une attaque éclair en fait. Bon. Et quelle est l'armée où il y a moins d'hommes? Prêt pour vos ordres. Voilà, on va recruter un peu d'hommes dans celle-là. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps les technologies. On va les préparer un peu au combat quand même. Parce que si j'arrive déjà à me faire un port, à Massilia, à lever une flotte, là, les ennemis, ça va plus rigoler. Hein. Égypte, déjà avec leurs éléphants, je vais morfler. Ah oui, le Nord, c'est vraiment un peu... Ils sont beaucoup moins avancés au niveau technologique. Et au fait, pour les épisodes, il n'y a pas trop de... Pas de 1 par semaine, il y en a un quand il sort, hein, un quand je filme, parce que si un jour j'arrive pas à tenir ça, que je suis pas là pendant une semaine, ou qu'il m'arrive un truc, ou qu'il y ait quelque chose tout simplement, et ben... Vous aurez pas un épisode, hein. Oh, c'est un bug, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Gravitas est une valeur qui représente la popularité accumulée et la réputation d'un personnage dans le monde romain. Elle augmente et décline avec le temps et les victoires militaires, les défaites cuisantes et les actions durant des missions ou en tant que sujet de dilemme. Lorsqu'un certain niveau est atteint, le personnage devient assez important pour prendre part à la politique. Mmh. Autorité 3, Gravitas 18. Oh, lui, il est pas très fort. Hein. Oh mon dieu, il faudrait que je l'aie, lui. Assassiner, oui, je veux bien, mais... Promouvoir. Intrigue politique. Promotion. Octaios. Ah oui, mais Pénos, faudrait bien que... J'aimerais bien l'avoir, en fait. Épouser, répandre des rumeurs. Ok, je pense qu'il faudrait que j'ai l'assassin avec pour le Ken, tout simplement.
Hop. La Gaule est notre mère à tous. Pour la tribu. Sont là-haut, on va... Épone, protège ce voyageur. On aurait les dieux et... On y va, les gars. La Gaule est notre mère à tous. En chemin. Ah, la fou de crever, Massilia. N'y a-t-il rien d'autre? Oh, tu peux pas y aller, toi. Prêt pour vos ordres. Oh, t'es vraiment une île. Hop. Épone, protège ce voyageur. Oui. Alors, attends. Attendez. Plus le personnage est ambitieux, plus il se montrera utile dans votre faction. Cependant, c'est à double tranchant. Une grande ambition peut mener à engager une guerre civile pour s'emparer du pouvoir. Il est donc important de garder un œil sur de tels personnages, car on ne peut pas toujours leur faire confiance. Comprenant Iliato, je pourrais l'assassiner. Non, je ne pas. Je pensais. Autorité, ouais. Dommage qu'il a pas beaucoup de gravitas. Attends, lui il a 20 de gravitas, n'empêche. Oxogalos. Je pourrais pas le vénérer. Emparez-vous de territoires supplémentaires pour augmenter votre train premium et ainsi octroie le nombre d'armées que vous avez. Ok. Ça veut dire que ça, je pourrais la laisser là. Je vais essayer quand même de combattre Massilia avec juste deux armées. Parce qu'il faut quand même une armée qui protège protège un continent. Ouais, c'est ça qu'il faudrait. Une armée qui protège à peu près 3-4 parcelles de territoire. Voilà, à peu près 3 en l'occurrence. Et qui prendrait les territoires seuls si je la up vraiment l'armée, quoi. Ça devient une armée vraiment de destructeurs. Et que la musique derrière. Après, il y a vraiment beaucoup de factions. Hein. Sabas, Ard, Trapezos, Tueur des Temps, Royaume du Tili, Vivis, Crod. Mission envoyée. Recruter l'agent suivant, champion. Après, si vous voulez. Autant le faire tout de suite. Hein. Alors, champion. Alors, déjà, là, ferme. On peut augmenter mon fricos et ma bouffe. Coca, Kada, Amunoni, Aneni, Kadaoka, Kada, Aneni. Non, ça me tente pas trop. Allez, Aneni. Hop. Ils apprendront à me craindre. Confusion de. Seul se toucher par la lune ferait ça. Oh, la tête. Honorer les dieux et oh, vos la ancêtres. Tête qu'elle a. Quelle est cette folie que j'entends? Ok, tentation, faire un raid. Description, vétéran militaire, les champions sont spécialisés dans les troupes et donnent un coup de fouet à la ferveur militaire. Leurs actes de subversion leur permettent de dégrader les aptitudes au combat des troupes ennemies, de faire subir de sérieuses pertes aux cibles militaires et de piller de colonies et de rallier la population esclave afin qu'elle se rebelle contre ses maîtres. C'est pratique. Déjà. Seul se toucher par la lune ferait ça. D'accord. Je vais pas dire la suite. On y va, allez, tu restes donc. J'ai dit. Ours guerrier. Bon. Déclarer la guerre à toi. Fuck that, motherfucker. Massiliané, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Laissons le vaincre à retrait. Oh mon dieu. Oh putain, c'est 3 tours, ça fait chier. Préparation du siège de l'Urtodi. Mais j'ai pas d'amis. Pour servir le peuple de Gaul. Nous ne pouvons faire cela. Oh mon dieu, il est costaud le jeune homme.
Honorez les dieux et vos ancêtres. Oh, plus de sous. C'est dangereux ce que je fais, c'est dangereux. J'aurais peut-être dû être plus patient. J'attends d'avoir vraiment un mal de troupes, mais ce n'est pas le cas. Alors faut vraiment que je gère, mais je pense pas que trop que ça va marcher parce que là c'est pas comme Bibract, ça va pas être aussi facile. Il risque d'être aussi con, mais il risque d'être beaucoup plus de cons. Et quand il y a beaucoup beaucoup de cons. Ah bah ça va, tranquille. 1100 cas. Oh putain. Venez à la recruter quelques mercenaires aussi sur place, ça devrait pas faire pencher la balance. Quoique les mercenaires ont pas un moral tip top. Ouais. Pas tip top le moral des mercenaires. Hein. De toute façon, je dis ça comme ça, mais j'ai pas vu, mais je pense qu'ils ont dû mettre le jeu comme ça avec les mercenaires. Soit c'est des unités qu'on a plutôt facilement, pour pas très très cher. Mais je pense pas qu'ils sont très très puissantes. Donc alors mes unités, j'ai 5 unités d'hommes libres enrôlés plein, une unité de frondeurs celtes et 2 unités de jeunes celtes. Hein. Voilà, jeunes celtes. Et donc mon général que j'ai mis à cheval, parce qu'on peut même choisir comment se met notre général avec le casque là, il ressemble vraiment, c'est vraiment les Gaulois. Hein. Bon, peut-être qu'ils auraient peut-être pu mettre peut-être s'habiller pour cette bataille, mais non. Nope. Ils ne veulent rien entendre. Donc je vais déjà les mettre sur la colline pour avoir un avantage certain. Hop. Prêt, cavalier. Homme de Gaulle, nous nous défendons en ce jour. Quand votre frère... Les renforts ennemis sont en approche. I saw. Mes renforts aussi sont proches. Et ils sont proches de moi. Ça c'est parfait. Déjà... Hop. Donc je vais essayer d'éviter déjà tout contact avant qu'ils arrivent. Si c'est ça, franchement, les renforts ennemis, il y a quand même, ils sont quand même 1440. Ils sont jolis leurs bateaux, hein. Et eux sont habillés. Ils ont un grand avantage. Ah merde, ils sont proches. Oh, fiche. Ah oui, non, mais repliez-vous. Pendant ce temps, hop. Excusez-moi. Nous avons soif de sang et de bataille. Courez. Oh, on a beaucoup fait chier. Grandeur. En avant. Fils de la Gaule. Ok, ma position devrait être plutôt pas mal. J'ai quand même essayé de m'organiser le plus possible, d'autant qu'ils sont vraiment énormément... Ah, eux sont pas habillés. Bon, pire, quelle importance. Eux sont bien stylés. Oh, des hoplites. Bonnes unités, ces hoplites. Hein. Ils sont encore frais, je sais pas comment ils font. Dans Total War Empire, ils couraient 20 mètres, ils étaient crevés. Hein. Pourtant, ils avaient juste un petit mousquet. Ça, en fait, je dis tout le temps ça par rapport à eux. Je suis assez impressionné leur
Leur endurance, c'est celle là. Et fait chier. Vite, grouillez-vous. Grouillez-vous, les mecs. C'est pas le moment de traîner. Alors, qu'est-ce que je fixe? Hop. Unitaire enroulé. On y va. Nous leur percerons le cœur. Unitaire de jeune. Grandeur. C'est vraiment l'accent, hein. Vous avez nos lances. Visez. En avant. Beaucoup de choses à faire au début, hein. Les hommes sont hésitants. Non. Nope, 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 vous n'êtes pas hésitant là. Vous allez au coq. Au coq. Oh la raclée fulgurante. Les hommes sont hésitants. Prof de sang et de bataille. En avant. Putain. Double cavalerie. En avant. Alors on va regarder cette mémorable charge. Oum boum. Au revoir. Notre général se fait attaquer. Unité de jeu. Derrière l'homme projectile. Vous êtes pas sérieux vous? Au combat. Tout de suite, maintenant. Allez, hop, 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 hop. Et je vais essayer d'en tuer le plus possible. Plantant. À vos ordres. Qu'est-ce qu'on dit? Fuyez les hoplites parce que c'est vraiment eux qui font chier. Hop, vous, vous les attaquez maintenant en courant. Allez, 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 allez. Et vous, ne me dites pas que vous ne faites rien. Allez, vous, hop, au cac, vous aussi, allez, hop. Double cavalerie. Oh les connards! Unité de jeunes! Nous les tuerons tous! Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ça pue le caca. Prêt pour la bataille! Ils sont dingues, ils ont couru pour rien. Ah, salut les mecs! Déchiquetez les. Alors. La bataille tourne en notre faveur. Une charge. Faites-les saigner. La victoire. Notre général est tombé. Fais chier. C'est pas grave. J'espère que c'est le mauvais là. Les hommes sont hésitants. Oh cac. Hop! C'est comme ça qu'on fait! Allez, les petits coups de lance là! Allez, hop, vous les poursuivez à la mort! Double cavalerie! Marche tout à des hommes! Franchement, tu es le maximum possible! Oh, cette volée était juste énorme! Allez, encore un petit! Voilà! Peut-être le dernier. Oh oui, magnifique. Le gros sadique. Et voilà, donc on peut voir vraiment que leurs troupes se sont fait littéralement massacrer. Bon, quand même un peu des nôtres, hein. Mais bon, ça va, j'ai plutôt géré. Et lui est... What the fuck. Qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est quoi ce bordel? Bug, sûrement. C'est même sûr. Allez, quittez la bataille. Yes. Victoire héroïque.
sauvegarder de la vidéo. Lala Massilia. Excusez-moi, hein, j'ai oublié de sauvegarder, c'est tout. Hop. Terminé la bataille. Donc, j'en aurais déployé 1240, j'en aurais perdu 225, j'en aurais tué 968. Eux en auront déployé 1520, ils en auront perdu 968. Il y en a quand même plein qui se sont enfuis, hein. Plein. Ils m'en auront tué juste 208 et j'aurais perdu, il y aurait quelques fuyards, hein, à peine une vingtaine. Moins d'une vingtaine même. Et Ken-le, vas-y. Oh, une mordine. Oh, la petite vidéo, j'ai jamais vu ça pour le moment. Allez, un petit discours. Il se sera battu parmi les nôtres. Il aura fait chavirer le cœur de plus de femmes que moi. Mais... voilà. Recoyesta in pace. C'est totalement ça. Oh, je vous laisse apprécier la petite vidéo. Et pour leur montrer c'est qui le papa. Fond le captif. Mais c'est parfait pour moi, c'est mes soldats là, ils commencent à de plus en plus cheater, c'est nul juste pour eux. Je crois que c'était le blanc, ouais. Bon, allez, Gary Fielden, le plus lancier, ou Noble Cavalier. Noble Cavalier. Le sujet gagne en notoriété, très bien. Rapport de trait de caractère. Ah, Winnie, aventurier, mangeur de boucliers, si vous voulez. J'ai perdu 46 hommes à la bataille de Massilia pour le moment. Je sais pas si vous entendez des petits grésillements, mais moi j'en entends, c'est assez bizarre. Bon. Bon. Puissant guerrier de Gaulle à l'attaque. Alors déjà. Allez, lui, on va lui full ruse. Hein. Hop. Attendez. J'ai envie de voir si c'est une armée de quoi. Oh, il y a beaucoup de guerriers quand même. Allez, on va lui augmenter ses guerriers. Hop. Et lui, il a rien de spécial. Pour la tribu. Attends, recrute. Ah, non, ça je te prends pas. Prêt pour la bataille. Ouais, il n'y a plus de mercenaires. Parce que, j'ai plus que 29 d'argent, je gagne que 388. Trop recruté. Il faut vraiment que je gagne des territoires là, parce que ça commence à appeler le caca au niveau de sous. Il n'y a plus de sous. Prêt pour la bataille. C'est un peu ça. Oui, donc lui, ça mènera avec des troupes. La subversion, ça fait à vos ordres, si vous le dites. La campionne, elle va aller là-haut. J'ai des fourmis dans mon épée. Tant mieux. Puissant guerrier de Gaulle à l'attaque. Oh, pas de fonds suffisants. Ah oui, c'est vrai, ça me coûte des fonds. Ah, j'ai ce grésillement dans les oreilles. Ah, j'essaie d'arranger ça. C'est un problème de mon casque. Hein. Je sais pas ce qu'il fait là. Mais... Alors, de toute façon, j'ai plus de sous, donc ça me sert à rien de faire ça. Hop.